Il était une fois dans un petit village où la vie coulait paisiblement, existait un maître zen nommé Maître Chen. Il était l'incarnation de l'humilité et d'une âme sereine parmi le son des cloches du temple et le bruissement des feuilles. Des gens de loin et de près le cherchaient pour des conseils et une compréhension profonde de la vie. Maître Chen passait ses jours dans un temple modeste, ouvrant son cœur aux cieux et étudiant les écritures anciennes, enseignant et partageant la sagesse aux disciples qui venaient à lui. Par un matin radieux, alors que la lumière du soleil se frayait un chemin à travers les arbres verdoyants, un jeune homme nommé Zéro entra dans le temple. Il portait en lui des questions et la lassitude de la vie, cherchant l'empathie et les conseils des sages. Zéro avait entendu parler de l'influence et de la sagesse de Maître Chen et décida de chercher sa guidance. À chaque pas, ses foulées douces sur le sol du temple le rapprochaient de Maître Chen. Il s'inclina respectueusement, submergé d'émotion. Zéro se présenta et exprima son désir d'apprendre de la sagesse du maître zen. Zéro fut accueilli par un sourire chaleureux et un accueil de maître Chen, une salutation remplie de sincérité et d'empathie, ouvrant une nouvelle porte pour Zéro. Maître Chen prit la main de Zéro comme pour tourner une nouvelle page de sa vie. Zéro, dans le voyage de la quête de l'illumination et de la découverte de soi, il y a four leçons importantes que nous devons apprendre, dit le maître d'une voix calme et pénétrante qui semblait transpercer l'âme. Zéro attendait avec impatience, son cœur avide d'en savoir plus sur ces leçons. Maître Chen commença à partager, étape par étape. Premièrement, Maître Chen dit « Comprenez qu'en chacun de nous réside un grand potentiel, comme une petite graine en dedans qui détient le potentiel de devenir un arbre majestueux. Croyez en vous, nourrissez votre foi dans vos capacités à surmonter toute difficulté avec une croyance ferme, comme si une belle peinture d'espoir se dessinait dans l'âme de Zéro. » Il réalisa que la force de surmonter les difficultés réside dans la croyance en soi-même. Mais cette leçon n'était que le début. Ensuite, Maître Chen parla d'apprendre à accepter le changement. La vie est toujours en flux, et résister au changement ne mène qu'à la souffrance. Embrasser les transformations de la vie avec un esprit adaptable. Dans le changement, nous trouvons des opportunités de croissance, comme les vagues lavant le sable. Ces enseignements touchèrent Zéro comme un éveil. Il réalisa que ne pas résister, mais accepter le changement ouvre de nouvelles portes derrière lesquelles se trouve un voyage prometteur de découverte de soi. Maître Chen s'arrêta là. Cultivez la quiétude et vivez dans le présent, continua-t-il. Le passé est révolu, l'avenir est à venir. Seul le présent est véritablement à nous. Avec la quiétude, nous expérimentons la véritable joie de vivre et faisons face aux défis avec calme et clarté. Laissez les regrets et les soucis s'estomper pour rendre la vie plus complète. Les enseignements sur la quiétude coulèrent à travers Zéro comme des ruisseaux frais à travers l'âme. Il réalisa que penser au passé et s'inquiéter de l'avenir ne faisait que brouiller la vie. Seul le présent existe véritablement, et dans cette présence, il trouva le bonheur et la paix qu'il avait toujours cherché. Le voyage était encore long, et Maître Chen transmit à Zéro une dernière leçon. N'oubliez jamais le pouvoir de la compassion. Traitez chacun avec amour et compréhension. En faisant ainsi, vous n'enrichissez pas seulement leur vie, mais aussi la vôtre. Souvenez-vous, nous sommes tous connectés, et la compassion est le chemin vers le véritable sens de la vie.
comme des lucioles scintillant dans la nuit noire, les enseignements sur la compassion illuminèrent l'âme de Zéro. Il réalisa qu'aider les autres n'était pas seulement créer du bonheur pour eux, mais aussi donner un sens à sa propre vie. Les années passèrent et Zéro resta au temple, devenant l'un des disciples de Maître Chen. Il apprit et pratiqua assidûment les leçons transmises par le maître. Peu à peu, il découvrit de nouveaux aspects de lui-même et de la vie, chaque étape du voyage portant la guidance de Maître Chen et une croyance inébranlable. Un jour, alors que le soleil se levait sur le sommet de la montagne, Maître Chen appela Zéro à lui. « Zéro, tu as parcouru un long chemin dans ton voyage de découverte de soi, » dit le maître d'un regard bienveillant. « Souviens-toi, le chemin vers l'illumination ne se termine jamais. Sois toujours prêt à continuer d'apprendre et de grandir. Illumine les autres avec ta connaissance et ton inspiration. » Le cœur de Zéro était rempli de gratitude. Il ressentit la chaleur et la guidance de Maître Chen. Il quitta le temple avec une âme renouvelée, prêt à affronter les défis futurs. Les leçons et enseignements de Maître Chen n'ont pas seulement impacté Zéro, mais ont aussi servi de guidance pour des milliers de personnes partout. Avec le temps, Zéro devint un maître zen respecté, connu pour sa sagesse et sa compassion. Sa vie devint un phare pour ceux autour de lui, les inspirant à explorer leur propre être à travers les quatre précieuses leçons. Nous avons appris que d'abord, le pouvoir de la croyance en soi est sans limite. Chacun de nous porte en lui un grand potentiel, comme une petite graine dans un pot de plante, pas grande. Pour explorer ce potentiel, nous devons avoir confiance en nos capacités et surmonter les défis avec persévérance et détermination. Deuxièmement, le changement est inévitable dans la vie. Au lieu de résister, nous devrions accepter et faire face au changement de manière adaptive. Seulement en s'adaptant aux nouveaux environnements, pouvons-nous trouver des opportunités de croître et de se développer. Troisièmement, vivre dans le présent est la manière de véritablement expérimenter la vie. Ne laissez pas le passé vous alourdir, ni craindre l'avenir. Seul dans l'instant présent, pouvons-nous ressentir le bonheur et la paix. Et enfin, la compassion est une source d'énergie sans fin. En aimant et en empathisant avec ceux qui nous entourent, nous ne rendons pas seulement leur vie meilleure, mais créons aussi du bonheur et du sens pour nous-mêmes.